Je suis en train de vous parler de Houdiné et je vous présente le rosier phénoménal. C'est Lijiang Rose et la fausse Park Yellow avec la musique de David Sylvian et Ryuichi Sakamoto, Forbidden Colors. D'après le film Furio, c'était sur le camp de concentration japonais. Ce sont des rosiers chinois et en fait, ça n'aurait rien à voir de mettre des rosiers chinois avec, avec la musique d'un film japonais. Mais bon, comme vous savez bien, peut-être, ma famille a été dans un camp de concentration japonais et c'est ça qui a causé en moi, disons, un amour pour tout ce qui est asiatique, chinois, japonais. Donc maintenant je suis avec avec mon petit kimono japonais. Voilà, vous voyez ce que j'espère de n'être pas trop monstrueux. Bon, retournons à mes belles aussi. Maintenant on va commencer par ordre avec. Vraiment, c'est l'amour de ma vie. C'est Park Yellow Tea Scented, qui en fait s'appelle Féopale, parce que, le vrai rosier Park Yellow Tea Scented, qui est un des quatre rosiers essentiels pour la création des rosiers modernes, parce que ces quatre rosiers, ils refleurissaient. C'est qu'il y a un trait qui n'est pas commun aux rosiers européens, qui ne fleurissent pour la plupart qu'une seule fois. Et aussi, la caractéristique de Park Yellow, c'est sa refloraison. Et en fait, ce rosier-ci ne refleurit pas.